Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo pour vous mettre en garde contre ce type de vente sur internet où les trois quarts du temps c'est de l'arnaque si vous voulez. Parce que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, on a toujours en plus une publicité qui arrive à un moment donné. Et ce matin donc avec une belle petite musique, un appareil qui permet de refroidir donc votre chambre, vous respirez mieux, vous dormez mieux, etc. Avec bien sûr tout un texte qui va avec, hein, deux frères qui ont fabriquer ce genre de choses, alors que c'est un produit qui vient de Chine, donc déjà ça passait pas, et donc voilà, il y a tout un argumentaire si vous voulez derrière, et je regarde jusqu'au bout, et après je clique sur la publicité, donc j'ai le site internet, et je lis, je mets ce côté, et à un moment donné je réécoute donc YouTube, et à nouveau j'entends la musique, je dis, tiens la pub elle recommence, et là un autre produit, avec là le docteur Moreau, et là j'ai pris le temps de filmer, vous allez voir après, filmer quand même la partie. Donc docteur Thomas Moreau qui vous dit ceci, cela, etc. On vous rabâche, hein, docteur Thomas Moreau, parce qu'il faut faire confiance au médecin. Donc c'est lui qui a fabriqué ceci, cela, donc cet appareil qui là se met sous l'oreiller, donc qui refroidit, et donc vous allez pouvoir retrouver votre sommeil. Vous verrez, je vous montrerai après la vidéo donc de ce passage-là. Et donc à la fin, là, j'ai cliqué dessus. Et je tombe sur ce site internet et je dis bizarre, je dis il ressemble beaucoup à l'autre. Et ben, en regardant, oui, il ressemble vraiment tous les deux. C'est-à-dire que même les témoignages, toutes les personnes qui témoignent sont identiques. Regardez, je vais vous montrer déjà cette vidéo donc avec une sorte de matelas qui est là pour vous redonner donc, tout le sommeil et qui a été fabriqué par le docteur Thomas Moreau, que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas où il habite, nous ne savons pas dans quel hôpital ou dans quelle ville il exerce. Mais en tout cas, il s'appelle bien Docteur Thomas Moreau. Allez, à tout de suite, je vous laisse regarder. Donc vous avez vu la vidéo, maintenant on est devant mon ordinateur, donc le deuxième écran. Et vous voyez, donc quand j'ai cliqué sur la vidéo, j'ai donc, là il n'y a même pas de son d'ailleurs sur cette vidéo, il n'y a pas tous les petits textes hein, qui va avec. Et là je regarde, gardez votre tête, x1, oui je veux mon Colmat. Et je vous avais dit que j'avais eu en plus, donc le, comment dire ça, j'ai eu mon deuxième pub, et là donc on a la même chose. Vous voyez, j'ai Polaire, j'ai Colmat. Vous voyez, donc là, il y a une petite musique quand même qui va avec, qui d'abord n'a rien à voir avec la vidéo que vous avez pu voir. Et si je descends, allez, je fais ça, hop, je descends,
Donc là, là on a vraiment la même présentation hein, par rapport à cela. On continue et c'est surtout, c'est ça qui m'avait fait rire, regardez bien les visages. Vous voyez, une demoiselle, personne à certain âge, un couple et une dame aussi. Et là, je continue à descendre. Et bon, la même chose, mais c'est pas le même produit. Et le pire, c'est que dans cette pub pour le matelas là qu'on peut voir, donc sur ça, dans sa vidéo, on voit qu'il casse, si vous voulez, son autre produit. Bon, en fait, un produit qui y ressemble, en disant que ben ça s'écoute plus cher, etc. Donc j'ai dit là, c'est quand même assez bizarre de voir ce genre de choses. Et là, pour moi, c'est quand je vois ça, pour moi, c'est de l'arnaque. Je veux dire, quel intérêt quand je suis content d'un produit, je vais en acheter un autre. Ça, c'est toutes les personnes qui achètent. Et là, vous voyez, acheteur vérifié, je ne fais jamais confiance à cela quand on nous propose certains modules. Donc, directement. Et je vous dis, ça, je connais, donc surtout sur celui-ci, qui est d'ailleurs, je crois que c'était Magazine CM, je ne sais plus lequel, qui avait dit, attention, ça ne refroidit pas plus qu'un ventilateur. Donc, par contre, vous payez plus cher. D'ailleurs, quand il compare avec une clim, sérieux, qu'est-ce que tu veux comparer ça avec une clim? C'est du n'importe quoi. Jamais de la vie, tu peux comparer ça avec une clim. Jamais. Tu peux pas avoir la même chose que ça. Et en plus, ion négatif, pff, je me marre. Donc, je suis allé chercher après, dans le bas. Je dis, bon, on va regarder un peu. Hein, politique de confidentialité. Hop. Politique de confidentialité. Ah, bizarre. Vraiment la même chose, quand même. Simplement, c'est qu'on n'a pas du tout le nom de la personne. On ne sait pas qui est derrière. Vous voyez, je jongle entre les deux. On ne sait pas. Donc, j'ai encore les plus bas. On revient plutôt derrière. Je suis obligé de revenir derrière, d'ailleurs. Ah, on ne peut même pas revenir comme ça. Ok, c'est super. Donc, on va aller dans l'historique pour revenir. Alors, je vais couper là. Ça sera mieux, voilà. Hop, contact. Question générale. Donc là, on est dans le centre aide hein, de celui-ci. Et tout en bas, on voit que c'était en surveillance. Là, bon, je ferme, je vais dans contact. Là aussi, on a la même chose. C'est-à-dire que le gars, ok, il a le droit d'avoir plusieurs sites. Hein. Moi, j'ai bien deux sites. Mais moi, vous avez toutes mes coordonnées, etc. Vous avez tout et vous savez qui je suis. Donc, on ne peut pas le contacter par téléphone, on ne peut rien faire. Moi, quand je vois ce genre de choses, déjà, je dis niette. Et je vais revenir d'ailleurs sur les vidéos, donc la chaîne YouTube, vous allez voir, c'est assez marrant. Donc ça, c'est sa chaîne, la chaîne YouTube, donc pour Polaire. Vous allez voir la chaîne YouTube Coolmate aussi. Donc il y a plus de vues sur l'autre, hein. Je vais faire ça, hop. Donc là, c'était le, il y a eu deux vues donc depuis le 16 juin. Donc c'est moi qui ai mis le petit pouce noir en bas. Donc là, ben, il n'y a pas de son en plus. Alors que dans la vidéo, il y a quand même du son. C'est ça qui était marrant dans la vidéo où on voit sur YouTube. Et là, vous avez donc la vidéo. Il y a eu 27 320 vues, mais qui n'est pas d'ici en fait. Comment peut-on en plus avoir 27 320 vues? Et plutôt, comment peut-on avoir 1101 abonnés? Quand je regarde quand même là, normalement, quand on a des abonnés, c'est, vous savez, directement, ils reçoivent une information de votre part que vous avez mis une vidéo en ligne. On est quand même le 30 juin. Là, il n'y a personne. Il y a deux vues depuis le 16 juin. C'est-à-dire que même si j'avais commencé à cliquer, j'avais commencé à regarder, automatiquement, ça aurait enregistré. Là, j'ai que dalle. J'ai même pas ça. Et là, on voit les commentaires. Hein. Tout le monde dit, hein, c'est du scam. C'est-à-dire, c'est de la merde, si vous voulez. Donc, faut surtout pas acheter. Sinon, ben, vous êtes dans la merde. Bon, en tout cas, de ce côté-là. Donc, sur ça. Et autre chose. Alors, je vais vous montrer comment faire pour ne pas se faire avoir. Vous allez voir. Je vous mettrai le lien, hein. Donc ce qu'on appelle Renet, donc je reviens derrière. Quand vous mettez son site, vous allez voir, hop, alors je vais revenir dessus, c'était là, voilà, Centraide. Si je vais sur, au départ, donc https, donc getpolaire.com, normalement, je devrais avoir, il est là, des informations sur la personne chez qui je vais acheter. Vous allez voir. Donc ça s'appelle Renet, hein, c'est voilà. Vous voyez, il n'y a rien du tout. La localisation du serveur en Californie, même pas donc ici en France ou même en Europe. Hein, sur les deux titres, c'est la même chose. Donc je reviens derrière. Moi maintenant, je vais vous montrer le temple de la vie. Hop.
Vous allez voir, donc vous avez toutes ces informations, le templelier.fr, donc il est actif. Donc il y a vraiment toutes ces informations, donc hébergées par OVH, donc qui est à Roubaix, l'entreprise Olavi, bon ça c'était mon ancienne adresse, bon c'est pas grave, maintenant je suis à Romainville. Mais voilà, vous avez tout ce type d'informations qui vous montrent donc qu'il y a quand même quelqu'un derrière tout cela, vous voyez. Et ben de l'autre côté, ben, il n'y a pas ça du tout. C'est ça le gros problème. Donc, et quand moi je vois ça, déjà, je fuis directement. Je vous dis, quand je n'ai pas le numéro de téléphone de la personne, quand il fait sur sa page, je ne peux rien faire, je ne peux pas le contacter, c'est pas la peine. Mais quand je vois ça, sérieux, quand je vois ces témoignages pour le GetCoolMate, vous voyez, hein, je ne mens pas, hein, GetCoolMate.com, la demoiselle qui est là, là, là et là, je vais zoomer un peu d'ailleurs pour que vous puissiez bien voir. Oups, en arrière. Vous voyez, et ouais, c'est les mêmes tronches avec un discours différent et pourtant vous marque acheteur vérifié. Donc nous, on connaît ce genre de choses. Plus souvent, ce sont soit des amis, soit ce sont des personnes qui se sont fait voler leurs photos en plus. Donc et là, c'est pas bon pour la personne qui fait ça. Mais voilà, nous, on fait très attention à cela quand on est des bons revendeurs sur Internet. Donc, ou des importateurs, on fait très attention à cela par rapport aux sites qui prétendent donner quelque chose de vrai. Voilà, et je vais vous montrer après, vous voyez ça, moi j'ai une version qui est beaucoup plus grande, qui est de Blockpoint, et je peux vous dire que ça ne donne pas l'effet d'un climatiseur, ça rafraîchit un peu, et encore il est très grand, mais ce petit bidule chouette, ça ne fonctionne pas du tout. D'ailleurs, il faut que je retrouve la page YouTube, une vidéo qui avait marqué que c'était de la connerie, parce que ben, les gens, en fait, vous n'avez rien du tout. Voilà. Maintenant, ben, je vous laisse voir par vous-même, le jour où vous recevez une publicité, Facebook, Instagram ou autre, de bien faire attention et par rapport à tous ces commentaires qu'on peut voir. Et surtout, c'est faites en sorte que vous ayez la personne comme moi j'ai fait dans mes vidéos sur YouTube. Alors, si je fais ça, hop, alors... Et là, bon, ça, c'était Game of Heroes of Might and Magic. Je suis un fan de Heroes of Might and Magic. Vous voyez, hop, je mets à l'accueil mes bibliothèques, vos vidéos. Voilà. Voilà, ça c'est moi, vous voyez. Donc, et là, bah, à chaque fois, vous me voyez. Vous savez que j'existe. Voilà. C'est pas comme l'autre qui vous met. Regardez, j'ai encore commencé. Le gars, il vous met. Vous voyez où sa publicité. Donc, regardez, si je vais. Comme lui, alors j'ai pas les là, je peux pas le voir directement. Si j'ai clique sur Polaire, je peux même pas cliquer dessus directement. Alors Media Inc, voilà. Quand je clique sur Media Inc, aucune vidéo. En plus, c'est-à-dire que celle qui nous montre, en fait, elle est soit privée, soit elle est autre part, mais voilà, il n'y a aucune vidéo, il n'y a rien du tout. Et le mec, il a quand même 1100 abonnés. C'est-à-dire que pour moi, ce genre de choses, vous ne pouvez pas avoir 1100 abonnés. C'est pas possible sans mettre une seule vidéo. C'est du scam, comme on dit. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.